Allez, c'est parti. Ok, les couleurs qui sont inversées. Et donc on a Bezguild en rouge et Olmalaz en bleu. Et la ronce apaisante crit qui passe sur, sur ce pauvre Ikaflip. On met le Doppel. Les connaissances des poupées sur le Doppel, évidemment, pour qu'il puisse invoquer des poupées. Il en invoque deux par tour, une folle et une bloqueuse chaque tour. Il peut en invoquer jusqu'à 6 du coup, et ça devient très vite un enfer. Ce combo, hein. Ce combo. Oh là là, la roulette passe tour. La roulette passe tour. Pour... Mais c'est pour les autres. Non, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. C'est pour non, monde. C'est pas pour tout le monde. Hulk qui passera son prochain tour aussi. Si, si. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu, effectivement. C'est vrai que les cas, lui, on voit pas quand il passe. On essaie de rapidement clear ce Doppel qui a pris très très cher. Hein. Ce Doppel s'est dit très très rapidement à l'esprit félin. Et après, cette roulette passe tour n'est pas sans conséquence non plus, puisque du coup, il perd la ronce apaisante. Effectivement. Effectivement. Eldodge Alliol, le double Sally perd un tour de connaissance des poumons, il sera sûrement mort d'ici là. Oui. La roulette passe tour qui l'avantage un peu. Alors, les retraits PA qui passent bien quand même, hein, malgré les pauvres 67% d'esquive PA de Scrackler. On en perd 2 sur 4. Et c'est TK qui, contrairement à Gotham, n'a pas décidé de privilégier ses PA au détriment de ses PM. Il est donc en 12-6, mode très classique. Et on tombe ce Doppel, c'est bien joué. On l'a tombé très très vite. Du coup, on va peut-être cette fois pouvoir... concentrer une plus grosse partie de CPA à faire des dégâts sur Wolverine et Grifuna. Puisqu'on a vu que sur le match précédent, c'était le gros problème du match. On avait réussi à contenir les invocations, mais on n'avait fait aucun dégât aux adversaires, en fait. Alors, on débuff les cas qui avaient le dévouement et la protection invocante. Il y a une surpuie qui va être posée. Sûrement, ouais, voilà, elle est là. Une gonflable. Voilà. Et la maîtrise. Mais ouais, la maîtrise du bâton, c'est ça dit qu'il joue au champ manique, on le rappelle. Après, très très bon corps à corps. Après, la surfuie, étant donné qu'on a déjà réussi à clear le Doppel, les invocations qui peuvent être vite gérées. Hein. Si on les prend à temps, si on s'y prend à temps. Ok, on lâche une roulette crit pour son équipe. Peut-être le monde, tenter des chasseurs ou des arachnés. Ah, après, il y a un Ossa en face, donc effectivement. Pas très intéressant. Alors, après, est-ce qu'on va focus l'Ossa ou on va tuer cette surpuie d'abord? Non, on va focus l'Ossa. Okay. Non. Oh, oh, on met sur le Sadi. On met sur le Sadi qui a des résistances plus faibles. Ouais, donc, mais... pour Stosa. Il y a toujours la laisse spirituelle, donc est-ce que c'est une bonne idée? Bon, l'arachné qui ne passe pas, ça c'est une bonne nouvelle pour Olmalaz. Après, ce Sadi, il peut pas se heal à l'arbre de vie aussi. Hein. Donc si on arrive à le tomber et à... Après, la lust spirituelle, c'est quoi d'ailleurs? C'est 5 PA, je crois. Si on a un Mainosa qui peut nous confirmer ça. Parce que, moi je dis, le call de tu le Sadi et ton Xel, il met l'Oza à moins de 5 PA, enfin à moins de PA qu'il n'en faut pour leur laisse tout le long. Derrière, t'as plus trop de problèmes de laisse spirituelle, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ok, on va clear la surfuie immédiatement. Un coup d'Aztec ne suffira pas, c'est dommage. Alors qu'on a crit. Un petit flétrissement devrait passer. Oui, un flétrissement. Voilà. Ça, il nous reste 2 PA et on peut placer petits ralentissements. Ralentissement ou double ou démote ralentissement. Alors les frises décalent encore, voilà. Ici, la ligne de but. Voilà. Ça trouve 3 PA sur chaque joueur, c'est bien joué. Et le cadran qui commence à stacker, il va être très probablement fouetté. On n'a pas grand chose d'autre à fouetter pour l'instant. On devrait. On met des sacrifices, je pense. Presque. Pour du coup se régène un petit peu, c'est bien joué. On martèle cet TK. On pourrait Champ Manique sacrifier. Enfin, sacrifier Champ Manique plutôt. Oh. Ok, non, on choisit de bloquer cet EK qui ne peut pas. Qui ne peut pas de bon du félin à cause du.
Oh là là, il va être obligé de dipper. Est-ce qu'on confirme ce focus Sadi du côté All Malaz? Alors la roulette Intel, mais pas pour eux, malheureusement, que pour les adversaires. Du coup, Wolverine qui peut potentiellement mettre des gros soins animaux sur Grifuna et complètement annuler les dégâts que va lui faire Az. Avec cette roulette 400 Intel, pardon. Alors en fait, le cadran, c'est bien joué. Et on va sûrement aller mettre. On va profiter de cette roulette sûrement pour aller mettre des soins animaux sur Grifuna. Voilà, qui soigne quand même pas mal. Et on en mettra qu'un avec la griffe spectrale. Voilà, on met un petit peu de dégâts, on buffe le Sadi. Le Sadi, du coup, qui va pouvoir sortir son bâton puisqu'il a lancé sa maîtrise juste avant. Ah, le problème, c'est que le chauffeur se place pas très très bien. Il n'a pas tellement envie de faire c'est vrai. Le chauffeur, mais bon. On perd encore des PA. Triple coup de bâton, ça risquerait quand même de tomber ce chauffeur en triple crit. On va lâcher du ral. Après, de toute façon, il ne risque pas d'avoir 15 PA, je pense. Hein, ce oui. Série. On va prendre vol du temps normalement là. Peut-être une démotivation avant. Démotivation, vol du temps. Il reste 6. Ah non, on joue Horloge, ok, on veut taper. Mais du coup, les retraits ouais. Qui ne passent pas et on peut même pas faire un vol du temps. Ouais, sablier ralentissement. Sablier ralentissement. Ouais, ah, encore, il va prendre deux coups de cac, j'imagine. Ronce aggro, sacrifier cac, je dirais plutôt, pour éviter de trop marteler le chauffeur. C'est possible. La ronce aggro qui perd très très mal, surtout sur les 22% de résistance. Ah, cool. Ok, on préfère. Mais... On défonce ce chauffeur. Mais après, du coup, c'est vrai que du coup, vu que c'est lui qui est focus, on se régène pas mal dessus. Ouais. Ça gêne pas mal dessus avec notamment aussi le cac. La gonflable sous la roulette Tentel qui soigne pas mal. Hein. Effectivement. Alors, on aurait porté. Qui tombe. Et une bon coup de périlleuse. Mais comme j'ai dit, malheureusement, le chauffeur qui a des cibles à taper dès son premier. Enfin. Ouais. Dès l'endroit où il est invoqué, et du coup, il ne donne pas de PA. Bon, ça aurait rien changé de toute façon. On se bénit. On va venir bouffe tout peut-être, on a peut-être la relance, voilà. Et en plus on va être taclé parce que le bouffe tout ça a une agi de fou furieux. On vient le crapaud, oh là là, et comme ce Xelor n'est pas si fort que ça parce qu'il a beaucoup de sagesse, il est bien bloqué. D'ailleurs je sais pas trop ce qu'on peut faire là pour le Xel. Hein. Je sais pas. Je sais pas tellement ce qu'on peut faire. On va mettre des sabliers. On va taper à la steak, mais du coup, avec le crapaud. Il prend tout son tour. Hein. La steak, c'est 3 lignes de dégâts. Ouais, on met quand même un sablier. Du coup, on mettra pas 2 coups d'Aztec. Ouais, du coup, on le tombera pas, ce bouffe tout. Hein. On le tombera pas. On le tombera pas, mais le tour d'après, on aura de nouveau la possibilité d'utiliser fuite. Ouais. Mais du coup, c'est un peu dommage d'avoir passé des pas dedans. Du coup, ouais, c'était soit tout ou rien, soit on tue le bouffe tout, soit on ne le tue pas. Mais après, il avait rien d'autre à faire. Ouais, c'est vrai, il avait vraiment pas grand chose d'autre à faire. Oh là, Alors, on tombe son propre chauffeur, mais on explose les caflips adverses. Ah ouais, là, il est vraiment pas bien. Oh, le Céron Sagro. Effectivement, là, sûrement les 4 qui va en profiter pour ce chance. Il peut se chance, prendre du félin et mettre deux coups de rire. Non. Ça va dépendre de la route. Là, il faut roulette. Ok, roulette chance. Sûrement mettre des bluffs. Comme il est terre, il veut pas se chance, ça, du coup. Il risque de tomber. Après, ça va dépendre du ral du Xel. Le Xel qui, cette fois, va avoir la fuite. Bien soigner ce bouffe-tout, qui est toujours sous crapaud. Mais bon, la contusion ne sera pas relancée. Un deuxième crackler. Rien tout boosté. C'est Caflip qui risque de perdre quelques PA. Un pour l'instant. Non, perd qu'un, ça va. 20% de résistance. A savoir aussi que sur les invocations,
les résistances du crack peuvent dépasser 50% en fait. Oui. Les résistances données par le crackler ne dépassent jamais 50% sur les joueurs. Oh là, les 3 coups. Oh là là. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Il perd 1 PA à chaque fois et du coup il a plus que 9 PA rien qu'avec les cracklers, ce pauvre Eka. Là il faut que Hall il passe tout. Il faut qu'il tente tout de toute façon. Il faut qu'il tente tous ses vols du temps et qu'il les passe tous. Il a pas le choix. Là c'est et flou à la fin de tout. C'est capital. Oh non, il va pas les tenter. Si ralentissement, c'est qu'il va les tenter, donc ça veut dire qu'il va ouais. jouer l'horloge avec la roulette de chance. Donc faut que ça crit et que ça vole beaucoup de PA. Parce que sinon c'est Kai tombe. On fout. Bon, les cas tombera pas, il n'a que 6 PA Griffou, donc normalement il devrait pas tomber les cas. Effectivement, on a réussi à. Ok, donc finalement bien joué. Finalement bien joué, j'avais un peu peur que ça ne suffise pas. On a réussi à tomber quelques PA. Voilà, la Rance Agro qui passe en crit quand même. Ok, on tacle, donc il pourra rien faire. Peut-être mettre une sacrifiée. Voilà. Qui crit. Oh, alors, la roulette force pour les adversaires. Ouais, pas pour lui, c'est dommage. Et là, il faut qu'il se chance, hein. Là, c'est plus négociable. Ouais, mais ça ne suffira pas, il va être dragonné cette chance. Ouais. Mais voilà, on va essayer de se. Ouh, mais, ce soit oh, pas mal avec les joli, les 1000 sur l'esprit félin. S'il avait pu en passer 2, ça aurait pu changer quelque chose. Mais là, ça change quand même quelque chose, hein, parce que ça dit, il commence à être très low. Et bon, on a toujours la laisse spirituelle. Il faut que. Moi je dis, il faut que l'Osa se barre. Ah oui, il faut non, que l'Osa se mette en situation, il ne peut pas se faire ralpa par le Xel sur le tour où le Sadi meurt. Parce que si il ne. Si, en fait, juste là, la strat, je pense que c'est obligatoire de tuer le Sadi et derrière de permaral cette Osa sous le seuil de l'est spirituel. Oui, c'est possible. Sans peut-être ça, je vois pas de port de sortie. Peut-être également, en mettant quelques griffes de Saint-Gall, ça peut aider. Effectivement. Qui en plus se cumule, puisque les griffes de Saint-Gall durent 7 tours. Et donc, potentiellement, on peut enlever beaucoup de PA tous les tours. En plus des ralentissements du Xelor. Le Xelor tombe, sans mauvais jeu de mots. Oui. Et que derrière le Xel se focus sur Ralpa l'Osa pour pas qu'il puisse, il ne pourra pas taper donc, et vu qu'il y a les invocations, ça risque d'être rapidement compliqué. Après, on vient bloquer ce Sadi qui ne pourra peut-être pas venir tomber cet Eka Flip. C'est bien joué, très bon placement du Xelor. Je pense pas qu'il le tacle, à moins qu'on ait investi dans un stuff avec un peu plus d'agi. On en a vu des Sadi agi, mais là c'est pas le cas. On préfère donner des coups de corps à corps, mais avec les renvois de dommages, ça fait pas tant de dégâts que ça, et du coup, ça annule totalement le soin qu'on pourrait récupérer avec les retours du corps à corps. On se PA sur Az. La roulette passe tour ? La roulette passe tour ? Non, sur tout le monde. Sur tout le monde, effectivement. J'ai eu peur. Ça va. Mais du coup, alors qu'est-ce qu'au niveau des buffs, il n'y a rien d'intéressant. Ah, elle est pour tout le monde cette passe tour. Oh le récap qui passe. On passe le récap, il faut le terminer. Ah non, il a joué. Non, il le termine. Non, il fallait pas le terminer en fait, j'ai dit une connerie. Il fallait surtout pas le terminer. Parce que là l'Osa il joue et il le laisse. Ouais. Échec et mat. Et en plus avec du coup cette roulette passe tour, il a tous ses PA. Donc il va pouvoir lui mettre crapaud, résistance naturelle, etc. Et puis c'est surtout qu'il a 2100 HP, donc là c'est échec et mat pour moi. Pour moi, la strat de tuer le Sadi en premier impliquait de. Et oui, il fallait que ce soit le Xelor qui la tue. Ouais, impliquait de tuer avec le Xelor. Enfin, non, de tuer. De tuer avec le Xelor, mais. En fait, après, c'était compliqué. Parce qu'il fallait tuer avec le Xel, mais que le Xel ait assez de PA pour Ral. Ouais, après, je pense qu'il pouvait. Voilà, peut-être. Ah, je sais pas, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que oui, mais bon, là, il l'avait mis à 100 HP, donc en vrai, il l'aurait tué avec assez peu de PA. Ouais, c'est vrai, mais bon. Mais bon, l'Osa l'aurait heal après, donc bon, c'est compliqué à dire. Et oui, effectivement. Du coup, ce Xel, alors je crois qu'il a sa TP encore.
Il a CDB, mais il a été contusion, hein, donc... Ah oui, il a été contusion, effectivement. Mais S'il est libé, il peut double vol du temps. Ils sont obligés de tenter les vols du temps. Ok, il tacle. Okay. Bien joué. Tacle. Ah, il le vol du temps. Mmh. Le problème, c'est qu'on est obligé de tout tenter, là. On est obligé de les tenter, ces vols du temps. Donc là, ralentissement, et j'imagine ralentissement sur Wolverine, voilà. Ah, mais là, je pense que... Attends. Quoi ? Griffonnet a passé son tour ? Il avait encore la roulette passe-tour, du coup ? C'était une roulette passe-tour crit, est-ce que ça change quelque chose ? Ah, je t'avoue que je sais pas. Quoi ? Mais non ! Non ! C'est ça ! C'est qu'en fait, il a été tué... Il a été tué, en fait, avant de se faire passer son tour par la roulette. Et il a été réinvoqué par Loza directement. Bah non, puisque c'est une roulette passe-tour pour tout le monde. Putain. Non, oui, mais c'était une roulette passe-tour pour tout le monde, mais Leka l'a tué dans le tour où il a lancé la roulette. Vrai. Ah oui, voilà. Donc c'est pour ça. Et du coup, il a le contre-coup de la roulette. C'est assez bizarre comme interaction. C'est une interaction un peu bizarre, parce que généralement, tu reviens debuff, mais la roulette passe-tour ne se debuff pas, donc... Donc c'est pour ça. Est-ce que ça va changer quelque chose ? C'est possible, pour le coup. Ça va dépendre si... Il arrive à le tomber, il n'arrive pas à le tomber. Heureusement, on crit pas. Heureusement, parce que les Péloponnèses en crit, c'est pas du tout les mêmes dégâts que. Ouais. Quand j'ai normal. Ce Xelor peut-il sauver son Ekaflip ? Le rollback est disponible, mais je pense pas qu'il soit positif ce rollback. Très honnêtement. Oui, parce qu'en plus, si on rollback, on va quand même se retrouver avec toutes les invocations sur soi, puisque les invocations restent à leur place. Et ils ont start en bas les bleus. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour... On veut bloquer le... Essayer de bloquer ce Sadi. On l'a vu, on a vu qu'il... Tout à l'heure, il le taclait, il me semble. Après, il peut faire le kill à la ronce multiple. Hein. Effectivement. Enfin, range multiple de casse devant lui, je pense qu'il le tombe, il a pas grand chose qui le protège. Et du coup on a mis le cadran pour ne pas qu'il puisse herbe folle, mais la ronce multiple suffit. La ronce multiple qui passe. Et là on lâche le GG. Et du coup on n'a pas eu le droit à un seul BO3. Pour l'instant ce sont des 2-0, malheureusement le Malas qui s'est fait 2-0 et 2-0. Enfin, on va terminer mais... Ah ouais, du coup là, All Malas qui est en 0-4 là du coup. Malheureusement, ouais, aujourd'hui, non, ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé, c'était compliqué, les conditions en plus en phase 2 étaient... Et malgré tout, All Malas qui finit à la 3ème place. Mais voilà, ils ont fait un tournoi plus qu'honorable. Hein. Un tournoi de grande qualité pour cette équipe. GG à eux. Et Hall qui survit à 30 HP. Dur pour eux aujourd'hui, mais... Ils ont pas perdu un seul match hier, mais ils en ont pas gagné un seul aujourd'hui. Effectivement. Ce Sadi qui va pouvoir le terminer. Ah, le vent empoisonné. Oh là là. C'est pas beau ce que tu fais. Ah, et le kill. C'est pas beau ce que tu fais. Quoi qu'il en soit, GG. GG. Et on se retrouvera pour la grande finale en BO5. Et d'ailleurs, c'est un remake du coup du match précédent. Et c'est ça. Gotham contre... C'était All Malas, c'était Gotham contre All Malas. C'est un remake du coup de la demi-finale du match 23. Donc ça sera Gotham City contre... Gotham City contre, que je dise pas de bêtises, Base Guild. Du coup, normalement, on avait dit qu'on ferait une pause pour la finale. Et c'est certainement Magix qui va reprendre le cast. On vous tient courant. À quelle heure on reprend ? Bah là, vu qu'on a beaucoup d'avance, hein, parce que vu ces BO3 assez expéditifs,
On avait prévu de finir ces BO vers 8h. Donc on a une heure d'avance. On va aussi voir avec les joueurs. Je vais pas cut le live tout de suite, mais c'est Magic qui reprendra effectivement le live pour la finale. Je vais juste voir avec les joueurs.